think it's time I let you go. Writing songs about you is getting old. I can't see your face anymore. Or the love I once adored. Know that someone will make you happy instead. But the love we fought for. Bonjour, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver. Nous commençons ce vlog le dimanche après-midi. Alors, comme vous venez de le voir, j'ai cousu notamment ces deux tissus dont je souhaitais faire des rideaux depuis déjà un bon moment. Voilà, ce sont deux tissus Tilda. Alors j'ai les doigts, c'est du stylo, hein. J'ai décalqué un patron juste avant, je préfère le préciser. J'ai hésité à doubler, mais finalement je ne l'ai pas fait puisque nous n'aimons pas quand la lumière ne passe pas à travers les rideaux. Une partie de l'après-midi a donc été consacrée à la couture à la chaîne de quatre rideaux. Loves you better. Yeah. Boy, I think it's time I let you go. Your old t-shirt has lost its hold. And all your records on the floor. They just don't move me anymore. I'm not wondering. I know that she will make you happy instead. But the love we fought for is tucked away, hidden in store. Is safe locked inside my chest. Safe from the lovers who want you next. And I tried to love you the way that I knew best. The next one holds you close, loves you better. Alors nous nous retrouvons finalement le mardi dans l'après-midi. Voilà, je m'apprête à faire les photos pour mettre à la vente les housses de coussin. Et en feuilletant cette reproduction du premier des ouvrages de Beatrix Potter, je suis tombée sur cette illustration. Regardez-moi comme elle est mignonne. Je ne me souvenais pas du tout de cette image. Maman lapin tranquillement en train d'attendre dans son petit terrier et de tricoter sûrement pour sa bande de galopins. Enfin, plus spécialement le galopin, c'est Peter, puisque ses trois petites sœurs sont sages. Voilà, j'ai donc fait les fiches produits pour les trois housses de coussin pour ce mardi en fin de journée, de manière à pouvoir vous les mettre à la vente dès le mercredi matin, comme je vous l'avais dit. Alors, mercredi dans l'après-midi, me revoilà en train de coudre un rideau pour une raison fort simple. J'ai fini de suspendre ce matin mes rideaux Vichy et que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, l'un des rideaux fait 60 cm. Il est trop court de 60 cm. Ne me demandez pas ce que j'ai fait, je ne sais pas. Quand je vous dis que je suis très étourdie. Et ce n'est pas Sophie qui regarde ce vlog qui va me contredire puisque j'ai mélangé sa commande avec une autre. Voilà, bon, en tous les cas, c'est reparti pour une couture que je n'aime pas, une couture de rideau. Alors, très rapidement, pour les débutantes qui souhaiteraient coudre un rideau très simplement, sans pattes, je vais vous expliquer très rapidement comment créer la petite fantaisie que vous avez vue tout à l'heure, qui formait un petit volant.
Alors, comme je l'ai dit de façon très simple, une fois que vous avez déterminé la hauteur du revers qui va vous permettre de passer votre tringle, vous venez coudre une coulisse tout simplement, voyez là, voilà, en laissant la hauteur que vous souhaitez en haut, et c'est cette hauteur qui va vous permettre de faire le petit volant plissé, puisque la tringle va passer, ne passera pas sur la partie du haut, mais sur la partie centrale. J'espère que vous m'avez comprise. Voilà, je vous montre l'envers. Voilà, une fois que vous avez déterminé la hauteur, bien, vous créez une coulisse, c'est ce que vous voyez ici avec mon doigt, voilà. Et c'est ce qui va permettre à la partie du haut de se froncer. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, ça permet, quand on fait un rideau très simple, eh bien, de faire une petite fantaisie toute jolie. Alors, en parlant de fantaisie, nous allons partir sur un patate douce cake. Voilà, j'ai eu l'idée de me faire un petit gâteau pour le goûter. Je n'avais pas de carottes, je me suis dit que j'allais utiliser des patates douces. J'ai vaguement regardé une recette, mais bien entendu, je ne l'ai pas suivie comme cela m'arrive très fréquemment. J'ai même tenté au départ de mesurer, de peser la farine ainsi que le sucre, mais les deux mesures, je ne les ai pas respectées. Donc j'ai complètement arrêté de mesurer quoi que ce soit. Et j'ai essayé tout simplement d'atteindre une consistance qui me semblait convenir pour un gâteau. Voilà, j'ai l'habitude de faire comme ça, alors quelquefois le résultat est catastrophique, quelquefois c'est délicieux, mais je suis incapable de le reproduire. Écoutez, c'est comme ça, je renonce. J'ai ajouté quelques épices à tarte aux pommes pour donner un petit accent d'automne. Pour donner un semblant de respectabilité à ce gâteau, j'y ai ajouté des œufs et également des noix. Il me semblait que tout cela allait aller ensemble. Allez, c'est au four, verdict tout à l'heure. Vivez por ese simples, un día pasé feliz, tirando un tiempo supremo, a casa que pede pis, o vendo un film feito branco, e as nuvens a passar, no seu flutuar. As coisas não vão se encaixar se você se cobrar demais. Deixe-me se enganar que assim vai dar. Alors, nous sommes mercredi. Vous venez de voir que nous avons eu ce matin les premières gelées. Jeudi, pardon. Enfin, ce n'a qu'une importance relative. Voilà, je voulais vous présenter ces tissus qui sont arrivés hier. Et je vais quand même vous les montrer, même si certains, je les attendais pour cet été. Je pense que vous vous rappelez que Michael Miller collabore avec Bell&Boo pour certaines gammes de tissus. Et j'avais commandé deux références pour cet été. Alors celle-ci, qui s'appelle Farm Day, journée à la ferme, on pourrait traduire ça comme ça. Voilà, donc un très joli tissu que je ne trouve pas finalement si hors saison que ça. En tous les cas, je vais vous le proposer, bien sûr, puisqu'il est arrivé, je vais vous le proposer. Voilà, vous le trouverez donc dans la section Michael Miller avec les autres nouveautés que je vous présente tout de suite. Alors, ce tissu-ci était accompagné de celui-ci. Toujours la même collection, une journée à la ferme. Alors, je reconnais qu'il fait quand même un petit peu estival. Les couleurs en sont gaies, les couleurs en sont vives et fraîches. C'est vraiment un très joli tissu. Et puis, qu'est-ce qui vous empêche de préparer cet hiver vos projets pour le printemps et pour l'été? Après tout, vous aurez le temps ainsi de les faire. Voilà, je plaisante un petit peu, ces tissus sont arrivés avec retard. Néanmoins, je les mets dans la section Michael Miller et je vous les propose avec beaucoup de plaisir. Comme d'habitude, chez Michael Miller, la qualité est exceptionnelle. Voilà, j'ai fait venir également deux autres tissus qui, eux, font partie d'anciennes collections. Je vous les montre immédiatement.
Voilà, je pense que vous connaissez ce motif. C'est un motif qui est relativement connu de Michael Miller. Quand j'ai vu qu'il en restait un peu, j'ai littéralement sauté sur ce qui restait en me disant que je ne pouvais pas passer à côté. Ce tissu est magnifique et il est totalement intemporel. Alors j'ai aussi eu un coup de cœur pour celui-ci, je dois vous le dire. Alors peut-être qu'il vous surprend. Mais oui, très honnêtement, j'ai eu un coup de cœur. Pourquoi ? Parce qu'il me rappelle tout à fait les dessins des tissus enfantins des années 60. D'ailleurs, il s'appelle Mémoire de Fan. Donc, je pense que c'était l'idée de cette collection. Vous voyez que les fans sont vraiment très, très jolis. Et c'est rehaussé avec un petit motif qui, somme toute, fait tout à fait fin d'année, rouge et vert. Voici le lendemain, vendredi, c'est le moment de bavarder un tout petit peu, je vous rassure. Voilà, je vais profiter d'être en train de préparer vos commandes pour vous informer que, alors que ce n'était pas prévu, je serai absente toute la semaine prochaine. Voilà, je préfère vous le dire, donc il ne pourra pas y avoir d'expédition de commandes à partir de lundi matin jusqu'au lundi suivant au soir. Donc, les expéditions reprendront dans l'ordre d'arrivée à partir du moment où je serai rentrée, c'est-à-dire à partir du mardi matin. Voilà, ce n'était pas prévu comme je vous l'ai dit, c'est ainsi, je dois me déplacer. À l'occasion de ce déplacement, je vais avoir la possibilité de voir Heidi. Bien entendu, vous partez avec moi. Voilà, je suis un peu confuse de voir, entre guillemets, vous laisser comme ça. De ce fait, je ne fermerai pas le temps que j'ai prévu au mois de décembre, notamment quand je rentrerai donc vers la fin novembre. Donc, cela nous mènera vers la fin novembre. Il y aura un déstockage de certaines marques dans la boutique, notamment Liberty. Je vous le dis déjà, que vous soyez au courant. Il y aura également très certainement un déstockage de la marque Sajou. Voilà, écoutez, je ne vois pas vraiment quoi ajouter d'autre. Si, il ne pourra pas y avoir de vlog puisqu'il me sera impossible de monter un vlog de manière à pouvoir vous le poster pour dimanche prochain. Je suis vraiment désolée pour celles qui attendent le vlog tous les dimanches matins, mais je vous quitterai pour mieux me rattraper la semaine suivante. Allez, je vous laisse pour la fin de ce vlog. Comme vous le devinez peut-être, en ce vendredi après-midi, je suis en train de finir d'emballer les lots qui doivent partir vers vous suite à Octobre Ensemble. Voilà, je fais une petite parenthèse puisque je ne pense pas assez souvent le faire. Je voulais vous remercier bien sincèrement pour votre présence ici. C'est important de le dire, vous êtes ici fidèlement semaine après semaine, vous commentez, vous mettez des marques de passage. Alors que je n'ai pas toujours le temps de répondre, mais je vous lis toujours très attentivement. Merci aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, qui me rejoignent sur la chaîne. Voilà, je tenais à vous dire merci du fond du cœur. Allez, nous partons pour la poste. Alors, j'avais complètement oublié de vous montrer que le lundi 11 novembre, comme vous voyez dans mon agenda, eh bien, j'avais découpé un patron. Il s'agit de ce patron-ci. Alors, je pensais que j'allais simplement le couper, mais il m'a fallu le décalquer, malheureusement, ce que je n'aime pas faire, puisque les pièces se chevauchaient, malheureusement. Voilà, il s'agit du patron Ikati et de la blouse Ida Mum. Voilà, alors j'ai prévu de faire un mix des deux, puisque je n'avais pas assez de tissu. Alors c'est un tissu que j'ai déjà depuis 2 ou 3 ans, donc je ne peux absolument pas vous dire où je l'ai acheté. Pour le modèle que j'ai choisi, il fallait 2,90 m de tissu. En faisant un mix des deux, je suis arrivée à faire rentrer cette robe dans 2 mètres. J'avais 2 mètres, voilà.
en bidouillant un petit peu. Donc, je vais voir un petit peu comment je vais m'en sortir. Je n'ai pas du tout eu le temps de la coudre. Voilà, je le regrette beaucoup parce que quand les coutures attendent, et bien malheureusement, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de mal à m'y remettre. Il me reste ce morceau de tissu dans lequel je vais pouvoir faire des bandes de biais puisque je n'avais pas fait attention, mais il fallait du biais pour terminer l'encolure. Voilà, écoutez, je vous montre ça dès que j'ai avancé. Et bien finalement, comme il faisait beau, et bien je n'ai pas cousu. Nous avons décidé d'aller profiter de ce très bel automne et d'aller faire un chemin de randonnée. Ce qui nous a amené tout à fait par hasard à faire une drôle de découverte tout en haut d'un col. Sur le coup, je me suis demandé si j'allais vous en parler. Je me suis dit que voilà, j'allais le faire. Nous avons découvert trois trous. Vous voyez qu'ils sont faits de la main de l'homme. On le voyait parfaitement. Vous êtes totalement en haut d'un col sur un endroit pierreux. Il y a trois trous, comme je vous le disais. Voici le premier, le second et le troisième qui se trouve sur le côté. Ils sont creusés dans le roc. Après avoir recherché, eh bien, nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait de trois trous de potence où avaient lieu au Xe siècle des pendaisons. Voilà, le seigneur du château un petit peu plus bas. Alors, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de végétation, donc on voyait parfaitement bien le sommet de la montagne depuis le bas. Eh bien, le seigneur de l'époque, dont nous verrons le château un petit peu plus tard, eh bien, tout simplement, exposait là les condamnés, de manière, je le suppose, à impressionner les villageois du village qui était un petit peu plus bas. Voilà, c'est une anecdote tout à fait curieuse. On ne s'attend absolument pas à trouver ça tout en haut d'un col. Nous avons vu ensuite que le sentier que nous avions emprunté s'appelait le sentier de la potence. Alors, je ne peux pas clôturer ce vlog sans vous montrer cette magnifique création que m'a fait parvenir Lily, qui est l'une d'entre vous. Alors, il s'agit d'un cadeau, je la remercie énormément quand je vois le travail que cela représente. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Bien sûr, tout est doublé très joliment avec un tissu fleuri comme je les aime. Bien sûr, mon très cher Pierre Lapin, je suis très, très admirative de ce sac banane. Les finitions sont très belles. Je ne me sens pour ma part absolument pas capable de faire un travail aussi réussi, aussi beau. Alors, j'apprécie d'autant plus le travail qu'a fait Lily et je la remercie encore. Vous voyez que ce sac banane est totalement matelassé. Voilà, vous reconnaissez un tissu qui a été il y a quelques mois en boutique. Voilà, donc je ne pouvais pas vous montrer ce que m'avait envoyé Lily. Voilà, j'essaie de travailler à une main, c'est un petit peu compliqué. Et j'en profite pour vous montrer d'un petit peu plus près, parce que vraiment je suis admirative sur les très jolies finitions de ce sac. Merci Lily.
Alors, j'ai été très, très gâtée cette semaine puisque figurez-vous que juste avant de finir de monter ce vlog, eh bien, je reçois ceci dans ma boîte aux lettres. Alors, cela m'arrive de Belgique, de l'une d'entre vous également, qui s'appelle Geneviève. Je suis très touchée par sa générosité. Elle m'a contactée pour me demander si je serais intéressée pour recevoir ce livre qu'elle possédait. Alors, je ne sais pas si elle l'avait en double exemplaire ou pas. Toujours est-il que c'était justement un livre que je souhaitais acquérir depuis très longtemps. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle le journal retrouvé d'Edith Holden. Alors, retrouvé tout simplement parce que je pense qu'il a sûrement été découvert après son décès tragique. C'est un genre de carnet champêtre qui reprend toutes les observations de l'année 1905. Alors vous allez retrouver dedans quelques annotations qu'elle fait de ses observations, des poèmes également. Vous allez retrouver Milton, vous allez retrouver beaucoup de poètes anglais que j'aime aussi pour ma part beaucoup, mais vous allez retrouver aussi et surtout ces magnifiques illustrations puisque Edith était aquarelliste. Regardez comme c'est beau. Comme je vous l'ai dit, je souhaitais acquérir ce livre déjà depuis vraiment longtemps et je suis vraiment très reconnaissante à Geneviève de me l'avoir envoyé. Voilà, je vais évidemment me plonger dedans avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors évidemment, Edith évoque la campagne anglaise principalement, hein, puisqu'elle est anglaise. Voilà, un très joli livre, si vous ne le connaissez pas, si vous aimez les aquarelles, si vous aimez tout ce qui a trait à la nature, si vous aimez la poésie également, je ne peux que vous le conseiller. Et été joint avec d'autres petites choses plus personnelles, mais je vais surtout vous montrer ces trois magnifiques écheveaux de laine ardennaise. Alors, Geneviève me précise qu'il s'agit de deux toisons retordus ensemble. C'est une couleur naturelle, alors supposément une toison noire avec une toison crème, hein, je pense. Deux écheveaux d'une douceur, voilà, je suis très très touchée et je remercie Geneviève pour sa grande générosité. Ah, nous allons nous quitter là, mais je reviendrai aussi rapidement que possible. Je vous dis donc à tous encore merci et surtout à très bientôt.